What? What? <laughs> Ce sont des dagues. Ils sont dingues, c'est incroyable! C'est incroyable, c'est historique ce qui se passe. C'est historique! Et pourtant, les rumeurs faisaient état, et on l'a su, les rumeurs, ils avaient dit, vous verrez, Bethesda ce n'est que le début, et Bethesda ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver par la suite. Ben il y a même plus de mots. J'en oublie même mes lunettes, c'est incroyable. Priorité au direct, mes gens. Priorité au direct. J'avais prévu autre chose, j'avais prévu une autre news que je viens d'arriver. En plus, c'est ça. Je vous raconte hein, mais Je vous raconte tout. Ici on raconte tout. J'ai arrêté d'enregistrer une news justement pour pouvoir, eh bien, vous la mettre aujourd'hui euh, sur la chaîne. Et là, je vais sur Twitter. Et je vois l'information. Oui, mes gens, respirez à bon coup, parce que là, c'est historique ce qui vient de se passer. Même si je dois bien reconnaître, ça me fait quand même un petit peu peur sur le principe du monopole, et on va y revenir. Microsoft rachète Activision Blizzard. Oh yeah! Et là, mes gens, j'ai envie de vous dire, oh yeah mais c'est incroyable. Le ouyé, il vient de là. Tellement, je me dis incroyable au secours, <laughs> au secours incroyable. Je ne sais même pas comment le dire. Mais oui, c'est officiel, mes gens. C'est officiel de chez officiel, Microsoft rachète Activision. Blizzard King pour la modique somme de près, près, on n'en est pas là, mais tout près, de 70 milliards de dollars Combien 70 milliards de dollars Combien Ouh Je vais mettre tous mes sons ah bah alors là on peut le dire assez... Hein, euh... <laughs> on peut même le refaire encore à coup. Allez Ah là la cache machine, euh... ils, ont, ils, ont cla... ils ont craqué le PE, alors hein. là c'est bon, ils ont dit... Alors, euh, on va regarder. Euh, donc du coup, bah, c'est bon, on a nos économies sur le livret A. Alors, on a eu la petite hausse de 1% là, au mois de février là qui va arriver. Ah c'est bon, hein, on va pouvoir claquer un petit chèque, là c'est bon. <laughs> c'est fou C'est fou c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est, c'est oui, c'est un moment historique en effet. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un moment historique. Donc nous sommes heureux d'annoncer que les franchises de renommée mondiale et les personnes talentueuses de Activision Blizzard vont rejoindre la famille Xbox. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que là, ça va changer énormément de choses. Et évidemment, bien sûr, on va parler entre autres de Call of Duty. Parce que là, bah, forcément, euh, ça va, bah, ça va faire parler. Hein. Ça c'est sûr et certain, ça va faire parler évidemment. de bah, toute façon, il suffit simplement de voir là ici, euh, comme on dit, Matel, euh, Matel, <laughs> ma évidemment sur, euh, sur Twitter. Bon bah, euh, je veux dire, ça, ça parle d'elle-même. De, hein. Voilà, on, on ne parle que de ça. <laughs> <laughs> voilà, le séisme du jour, euh, Xbox, Xbox, MGG, je vois, j'ai plein de notifs, j'ai plein de notifs sur les, les, le, 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 le téléphone tellement me dit, hé, hey, regarde, regarde, c'est un truc de ouf, Microsoft vient de racheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars En fait, j'ai je, 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 du mal à y croire, mais, mal, mais, mais, mais si, mais si, mais si. Bah, pas, pas le joueur de foot, hein Mais si C'est incroyable. Bon. Allez, on va se calmer. Alors on va se calmer. On va souffler. On va se poser un petit peu. Et nous allons donc du coup regarder un petit peu le pourquoi du comment. Parce que... Bien sûr, quand on voit ça, on se dit, euh, ça, ça va Microsoft, tout va bien, vous allez bien à tout racheter comme il faut. Euh, bah là, quand même, euh, bah ça, ça, ça est... Oh, on est pas mal là. Hein oh, oui, on est, on, est, on est, pas mal du tout. Alors, donc Microsoft, dans le plus grand des calmes, a sorti son petit chéquier pour dire, mesdames et messieurs, Bethesda, c'était pas assez, on va récupérer Activision Blizzard. Merci à tous. Des bisous et bonne année. <laughs> bonne année 2022. Ah bah ça, c'est clair que là, clairement, les mecs, ils doivent se dire eh, Bonne année, hein euh, c'est parti, on y va, euh, tout va bien. 68 milliards de dollars pour avoir acquis et racheté, donc, du coup, Activision Blizzard. Et là, on le voit hein, d'ailleurs, hein, euh, euh, qui est donc de 26 milliards par. Plus cher lors notamment de l'acquisition de LinkedIn, donc en, en, en 2016, c'est quand même beaucoup. Hein, c'est beaucoup d'argent. Moi, vous savez, Microsoft, vous pouvez en donner que 5 millions. Il hein, n'y a pas de problème. Moi, 5 millions, ça me va. N'hésitez hein. pas. Moi, je veux bien. Il n'y a, a pas de souci. Hein. C'est incroyable. Donc, maintenant, comment réagir à tout ça Parce que, évidemment. Je pense que dans les jours à venir, dans les heures à venir, on va en entendre plus, on va en savoir plus et on va comprendre un petit peu le pourquoi du comment de tout ça. Mais déjà, réfléchissons un petit peu de ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi déjà Ça veut dire que en rachetant Activision Blizzard, Microsoft va donc acquérir les franchises d'Activision Blizzard. Donc ça veut dire et on le voit, Warcraft tout ce qui gravite autour de Warcraft, donc Warcraft euh, je ne sais pas combien, World of Warcraft, et peut-être même d'autres choses, ça concerne aussi Starcraft, bon, toutes les licences Blizzard hein, de toute façon, donc ça concerne Overwatch, ça concerne Diablo, et Diablo, ce n'est pas n'importe quoi, ça concerne, bon, Candy Crush bien sûr, mais surtout ça concerne Call of Duty. Alors... Vous allez me poser la question et me dire, Bibi, ne me dis pas que ça veut dire ce que ça veut dire, que ça ne veut dire, ça ne veut pas dire, mais que ça veut dire quand même. Est-ce que Call of Duty va devenir exclusif à la Xbox <laughs> Bah ça, mes gens, euh, c'est la vraie question. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Honnêtement, pour l'instant, au moment où je vous parle, impossible de savoir la stratégie que va adopter Microsoft à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant l'acquisition de ces studios, et de Activision, Blizzard, King, etc., bah Microsoft va avoir une force de frappe de jeu monumentale monumental. À l'époque, on pouvait dire, oui, bon, Bethesda, euh, voilà, mais pourtant, Bethesda, c'est quand même des bons jeux, hein. on le rappelle, Dishonored, Wolfenstein, et tout ce qui ravite autour de Bethesda, euh, Fallout, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais là, c'est quand même pas n'importe quoi. On parle quand même de Warcraft, on parle quand même de Diablo, on parle quand même d'Overwatch, même si Overwatch... Euh, voilà. Mais on parle aussi de Call of Duty. Tous ces jeux qui, quand même, à un moment donné, vont brasser de l'argent, vont brasser des ventes. Et quand même, pas n'importe lesquels. Donc, we will offer as many Activision Blizzard games as we can within Xbox Game Pass and PC Game Pass. Donc, ça veut dire que, grâce à tout cela, eh bien, évidemment, ça va permettre donc de pouvoir Mettre dans le catalogue du Xbox Game Pass et du PC Game Pass, eh bien les jeux d'Activision Blizzard King. Je reviens toujours pas. <laughs> je n'en reviens toujours pas. Ah bah je pense que là, Bobby Cotick, euh, <laughs> il doit se dire, bon bah moi je vais me barrer. <laughs> <laughs> je vais me barrer finalement hein, parce que je crois que j'en ai plein le huc. Alors, Microsoft ne donne pas de détails évidemment de ce qui s'est passé, de voilà, de, 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 de comment ça s'est goupillé, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, la compagnie euh, précise que Bobby Kotick va continuer à être le CEO d'Activision Blizzard pour l'instant. Alors, ça, je euh, ne bon, suis, suis pas hyper fan, fan, fan de, de ça. Mais. Donc, Kotick won't remain on the uh, deal with fully closed and after the transition period to Microsoft. The. The. Je ne sais jamais dire ce nom. The. Ou The. Ah, enfin, bref, vous avez compris. Donc, euh, bon, maintenant, Phil Spencer, donc, est maintenant le CEO euh, de Microsoft Gaming comme compagnie et. And the company says the Activision Blizzard business will report directly to Spencer. Donc on voit évidemment que tout ça maintenant, toutes ces choses ne vont plus être directement liées à Bobby Kotick, mais vont directement maintenant parler à Spencer, bah parce que forcément maintenant, j'ai presque envie de dire la maison mère, bah maintenant c'est Microsoft, <laughs> c'est Microsoft. Mais je pense que vu ce qui se passe chez Activision, je pense que ce rachat va permettre peut-être de dégager Bobby. Hein. Il y a de fortes chances que par euh, par voies indirectes et par effet collatéral, je pense que vu ce qui se passe, Bobby va dégager. Hein. <laughs> je pense que Microsoft va dire bon par contre Bobby, tu commences à nous, hein, tu commences à nous emmerder, tu dégages. Je pense qu'il va dégager comme ça. Il y a de très fortes chances qu'à mon avis euh, le Bobby il va dégager. C'est quand même incroyable, ce que l'on voit là, parce que je me dis, pff, laisse tomber. Alors, autre site qui en parle, Xbox Wire. Et là, alors là, le message est très clair. Bienvenue, bienvenue aux nouvelles licences. Bienvenue donc à Treyarch, à Raven, à Moon Studio, à Binox, à Sledgehammer, à Toys for Bob. Toys for Bob eh oui, si on parle de, de Toys for Bob, ça veut dire quoi Eh oui Eh oui Et on pense aussi à... Eh oui Et on pense aussi à... Eh oui Et on pense aussi à... Et là, là, vous commencez à, à, à comprendre. Là, vous dites... Oh, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Là, vous devez vous dire... Oh ya ya, ya. Warcraft, Call of Duty, Tony Hawk, Pro Skater, Diablo, Overwatch, Spiro le dragon, Crash Bandicoot, Hearthstone, Guitar Hero, Starcraft. Ouh. Ouh. Alors, on peut le dire... Euh... Ouh. Ah bah c'est... <laughs> c'est le casse du siècle. On disait que Bethesda c'était le casse du siècle. Bah pardon, mais euh, là non, le casse du siècle il est là. Le casse du siècle il est là. C'est le c'est le coup du siècle. C'est incroyable. Alors évidemment bien sûr. Nous sommes contents bien sûr de faire venir dans notre équipe toutes les équipes d'Activision, Blizzard, Idemoon, euh, Binox, Demonware, toys for bob bla, bla 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 bla. Nous allons pouvoir évidemment grâce à Microsoft nous en pouvoir travailler ensemble et évidemment bien sûr créer des franchises incroyables, exceptionnelles et notamment bien sûr intégrer tout cela dans le Xbox Game Pass, le Xbox Game Pass PC, notamment faire graviter encore autour de tout cela le xCloud qui va permettre bien sûr de pouvoir jouer à tous ces jeux-là partout ensemble. Bon, le message est clair. C'est, bah le message est clair. Voilà, le... je crois qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autres messages possibles. Le message il est clair. Voilà, euh, Microsoft ils arrivent avec une paire de maloches comme ça, puis ils font, voilà. Bonjour, voici ma paire de maloches. <laughs> C'est incroyable. <laughs> C'est incroyable. C'est incroyable. Alors maintenant, je suis bien content de voir ça. C'est très bien. Bravo Microsoft. C'est très bien. C'est oui, c'est bien. Mais je réfléchis maintenant et je me dis, est-ce que c'est si bien que ça pour la concurrence ben, Laissez-moi quand même en douter. Vous le savez, je ne suis pas partisan de la situation de ce qu'on appelle de quasi-monopole. Quasi-monopole, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une société a quasiment euh, le monopole sur un marché, c'est jamais très bon. À l'époque, par exemple, on pouvait dire que Windows avait et était en situation de quasi-monopole, parce qu'il n'y avait, pour ainsi dire, euh, pas de concurrent direct, entre guillemets, même si Linux, c'est différent, et euh, bon, tout ce qui est Mac, c'est différent, mais à l'époque. Quand vraiment ça commence à se démocratiser, bah, ils étaient en situation de quasi-monopole. La plupart des 90-95% des PC que l'on a eus, c'était des PC euh, notamment euh, qui avaient donc le, le, le Windows à l'intérieur. Mais c'est pas forcément toujours une bonne chose, pourquoi Parce que sans concurrence, ça veut dire que bah, la société qui est en situation de quasi-monopole va pouvoir mettre les prix qu'elle veut, tout simplement, va pouvoir euh, faire les mises à jour qu'elle veut, en gros, elle a une force de frappe et une puissance tellement forte et absolue que derrière, peu importe le prix, peu importe la manière de faire, ils vont installer les, la paire de baloches et ils vont se dire, nous on est là, et si vous n'êtes pas content, bah vous allez ailleurs, bah, sauf qu'il n'y a rien ailleurs. C'est comme YouTube. YouTube, c'est pareil. Quel est aujourd'hui le concurrent à YouTube Bon, Twitch, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Mais en termes de vidéos, YouTube, Dailymotion, bien sûr que non. D'autres concurrents à YouTube, qui sont aussi forts, avec euh, autant de force de frappe que ça, ben il n'y en a pas. Et on voit que YouTube fait un petit peu tout ce qu'il veut. Surtout en ce moment. Donc la situation de quasi-monopole, elle ne doit pas rassurer, elle ne doit pas directement mettre en place un système du oui ça va aller vous inquiétez pas donc je suis bien content pour Microsoft parce que bah forcément ça va considérablement améliorer une fois de plus le catalogue du Xbox Game Pass mais pour la le bien de la concurrence bah, ça va être un petit peu compliqué en tout cas moi c'est vrai que je suis un petit peu circonspect devant tout ça. Alors maintenant, vous allez me dire, mais Bibi, la vraie question, quid des jeux qui vont devenir exclusifs maintenant Parce que la vraie question, elle est là. Quels sont les jeux qui vont devenir exclusifs Pour l'instant, la politique de Microsoft, elle est très, très, très évasive à ce niveau-là. Notamment chez Bethesda, on ne sait toujours pas si Starfield sera exclusif à Microsoft, alors que pourtant ils ont racheté le studio, mais pour l'instant, ils n'en parlent pas trop. Elder Scrolls 6, on ne sait pas. On ne sait pas. Bah là, la vraie question, elle va se poser aussi. Overwatch, il va passer exclu ou pas Enfin, le prochain Overwatch, parce que les jeux sortis ne changeront pas, mais les prochains... Le prochain Diablo, Diablo 4, alors certes, il va sortir sur PC et tout le monde dira, oui, mais Diablo, c'est sur PC. Bon, très bien. Mais une éventuelle version console, bah ça sera que Xbox. Vu comme ça. Euh, Call of Duty. La, la vraie question, c'est Call of Duty. Bon, même si le dernier. Euh, pff, bon, vous avez vu mon test, euh, voilà. Mais la vraie question, c'est Call of Duty. Que va faire Microsoft Quelle va être la stratégie sur le prochain Call of Duty Exclusif Microsoft, donc ça veut dire exclusif Xbox et PC, il ne sortira plus sur PlayStation. Alors il y a deux solutions. Soit Microsoft dit on va le bloquer et tant pis si ça fait moins de ventes. Ou bien Microsoft va dire on va quand même le laisser mais on récupère les royalties. Pour l'instant on ne sait pas. Pour l'instant on n'en sait rien. On en saura certainement plus dans les jours à venir et peut-être même dans les heures à venir. Mais ce qui est sûr c'est que ce rachat fait extrêmement mal extrêmement mal, que l'on aime ou pas Activision, que l'on aime ou pas Microsoft, là clairement c'est un rachat historique, historique, véritablement historique, parce que là on est sur quelque chose qui a complètement éclaté le marché. J'espère qu'en tout cas en faisant ça ça ne va pas non plus le détériorer ce marché, ça ne va pas non plus euh, finalement le désorienter, le déstabiliser. Ce serait pas bien que ça arrive. Donc Microsoft, c'est bien, mais calmez-vous quand même un petit peu. Hein, euh, parce que bon, on va pas racheter tout le monde non plus. Parce que ça, après, à, à force de tout racheter, il n'y a plus rien. Il hein. n'y <laughs> a plus de studio, il n'y a plus rien, hein, forcément. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire sur cette, euh, cette news complètement folle. Hein, on, on le redit, on le remontre, mais... Microsoft donc vient d'acquérir et vient de racheter Activision, Blizzard, King pour la somme de 68, d un peu plus de 68 milliards de dollars. Oui, l'argent permet beaucoup de choses et quand on a beaucoup d'argent, voilà ce qui se passe notamment avec Microsoft. On a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à m'exprimer. Votre ressenti dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit bon ou pas, hein. encore une fois, dites-le. Allez-y. Euh, donc euh, c'est le moment ou jamais. Je suis content pour Microsoft, mais une petite partie de moi, une petite partie de moi me dit... Attention. Attention à l'avenir. Vraiment attention à l'avenir. Call of Duty dans le Game Pass, bah on y est. Hein. Prochain Diablo dans le Game Pass, bah on y est. Et en plus, dans le Game Pass PC. Pouf. Voilà, on y est. Tous ces jeux et tous les prochains jeux seront dans le Game Pass Day One. Une fois de plus, le Xbox Game Pass commence définitivement à devenir très intéressant. Encore plus qu'avant. Merci beaucoup, des bisous. À très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Paix, sérénité, force et robustesse. Et <laughs> vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.